d'applaudir très fort l'équipe départementale karaté avec Kabo, Hugo, Hugo, Emma, et l'équipe départementale Wushu avec Laurent et Hugo qui sont présents. Une petite pensée pour Clément Pantès qui s'est blessé malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Petit rappel, cette année c'est la cinquième fois que l'équipe départementale karaté a remporté le challenge normand. On peut les applaudir très très fort. Et au niveau du Wushu, c'était la première année. Et nous sommes partis en Angleterre faire une compétition à Southampton. Et nous avons piqué pas mal de médailles aux petits anglais. Donc je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe départementale du Wushu. Dirigée par Wushu Kapseki pour le Kaolu et la Ville Borges pour le standard. Yubé Kelly. On retourne au niveau de la tradition. La tradition du maniement du sabre. L'aïdo. Mené par Michel Ribal et son groupe de l'école Zhangqin Mugenkan. On les applaudit très très fort. L'art du maniement du sabre. Thank you.
vivant du Sable, l'agglo, les applaudit très 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 fort. Merci. On va retourner en Chine et on va passer de la tradition à la modernité avec le jeune, à peine 15 ans, Kazé Calavert. Peut-être son visage ne vous est pas inconnu parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois à la télé, l'émission Incroyable Talent. Vous l'avez vu dans Fort Boyard tout cet été. Il est là pour vous ce soir, Kazé Calavert, multiple champion de France du club de Paris Jumwi. Kazé Calavert, merci d'être venu tout droit avec ton maître Johan Rondrail. Merci.